savez, à cette époque-là, nous en étions encore réduits au moulin à café, à l'appareil qu'on tournait à la main. Savez-vous à quel rythme l'opérateur tournait? L'opérateur avait comme base la marche de Sambre-et-Meuse. Ta la 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 la. Avouez que c'est drôle. Thank you.
Le cinéma, qui jusqu'alors était sous les auspices du théâtre et de la peinture, est devenu tout d'un coup sous les auspices de la musique. Tout le monde ne parlait plus que de musique cinématographique, de musique visuelle. Wuillermoz a parlé de musique visuelle. Germaine Dulac a parlé de musique visuelle à son tour, de musique pour les yeux. Abel Gance a dit « Le cinéma, c'est la musique des images, la musique de la lumière ». Tout le monde a orienté, tout au moins en France, a orienté les recherches cinématographiques dans le sens du rythme. De là est née toute cette école, école c'est beaucoup dire, tout ce mouvement que l'on a appelé le mouvement d'avant-garde, qui paraît à d'aucuns si ridicule aujourd'hui. Entre les années 20 et les années 30, je crois qu'il y a eu un très gros bouleversement dans la technique cinématographique et qu'on est arrivé à se former une sorte d'alphabet conventionnel qui permettait aux cinéastes d'avoir leur petit bagage. Alors il est évident que ces recherches n'ont pas été sans créer des abus. C'est évident que dans par exemple le montage rapide qui a été employé par Gans, qui a été employé par L'Herbier dans L'Inhumaine, il est évident que ça faisait un peu crier le public parce que ces paroxysmes semblaient très gratuits. Et ils l'étaient souvent d'ailleurs. Mais de tout cela, il a quand même découlé une technique plus assagie, mais qui s'est inspirée de ces recherches excessives. Ces gens-là se sont rendus compte qu'il y avait un langage, intuitivement, inconsciemment, enfin, d'une façon pas encore très claire, ils se sont rendus compte qu'il y avait un langage filmique. Ils n'ont pas prononcé le mot « langage » encore à l'époque, et on disait « moyen d'expression », on s'en tenait là, mais un moyen d'expression spécifique. Ils méprisaient le sujet qu'on leur donnait à traiter, et ils le méprisaient, ils le traitaient parce qu'ils ne pouvaient pas, commercialement parlant, traiter les sujets qu'ils auraient aimé traiter. Et leur propos, à ce moment-là, était uniquement de chercher une forme. Au fond, L'Inhumaine a posé un problème, c'est que je voulais que ce soit quand même une sorte de résumé provisoire de ce qu'était la recherche plastique en France 2 ans avant la fameuse exposition des arts décoratifs. Ça va être une valeur pour la France, mais ça va être aussi une valeur pour l'Amérique où notre film était destiné à passer à cause de la renommée de Georgette Leblanc en Amérique. Évidemment, elle avait quelques années de trop pour le rôle, mais elle avait quelques dollars de plus, ce qui a fait que le film a pu se faire et quelquefois on cède sur certaines choses. Mais ce qu'il y a surtout à retenir, c'est que le scénario, qui est pauvre, on peut le reconnaître, je l'utilisais plutôt comme les compositeurs utilisent ce qu'on appelle une base chiffrée. Sur cette base chiffrée, je construisais des accords qui étaient plutôt des accords plastiques. Et évidemment, ce qui est, si vous voulez, le défilé des événements n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est ce qui est vertical, c'est-à-dire la construction de l'harmonie plastique. Pour arriver à ce résultat, il fallait que j'aie des collaborateurs très éminents, et je dois dire que je les ai eus, et notamment sur le plan purement décoratif, puisque j'avais Claude Autant-Lara, qui était devenu un excellent décorateur et qui me faisait un jardin d'hiver très fabuleux, et puis j'avais mon collaborateur intime, Cavalcanti. Léger a fait un décor, et Léger, c'était très difficile. J'ai gardé de Léger, ça s'est perdu au Brésil, soi-disant des maquettes, c'était un dessin abstrait qu'on ne pouvait pas construire. Alors je me suis décidé à faire par les machinistes du studio des tas de cubes, des tas de cônes, des tas de sphères, et j'ai entassé tout ça hein, en noir, blanc, gris. Il y avait un tas énorme, et j'ai dit à Léger, mon vieux, allez-y. Alors il s'est amusé à pendre des choses, il était ravi. Et son décor fait beaucoup d'effet. Mais mes décors à moi étaient plus pensés à l'avance. Je faisais des dessins, et puis j'avais une manie à l'époque. Je trouvais que la fausse perspective était très importante pour le décor au cinéma. Et d'ailleurs, je le pense encore un peu maintenant, mais on ne s'en sert pas du tout, je ne sais pas pourquoi.
J'avais aussi à côté de moi le grand architecte Robert Malestévens, qui construisait alors plutôt les extérieurs des maisons ou le volume des maisons. Recherche de plans, des plans qui se croisaient, s'entrecroisaient et permettant un éclairage de masse. C'est Malestévens le premier qui a apporté ce principe dans le décor. On était encore, si vous voulez, à la recherche du détail, de trop de détails. Et quand on voit le décor qui est là, avec la toile de Robert Delaunay, la fameuse tour Eiffel, c'est vraiment le côté typique du décor de Malestévens et aussi des intérieurs que Malestévens a fait, car il a fait une rue qui ressemble étrangement à ce décor. Si vous vous promenez encore dans la rue, vous devez vous apercevoir que vous retrouvez ces mêmes lignes, ce même principe, si vous voulez, d'opposition de masse. Vous voyez, je ne crois pas que Malestévens cherchait le réalisme. Il ne pensait pas au décor lui-même, mais à l'intégration des personnages dans les lieux. L'herbier était un esthète qui avait le grand souci de la forme de son écriture cinématographique. Il y avait, je me souviens, sur le même plateau, quand nous tournions Eldorado, où je tournais une toute petite chose, et on tournait sur le même plateau, un peu plus loin, un film de Feuillade,
Feuillade avait droit à tout, n'est-ce pas, à tous les égards, bien qu'il fût, lui, très simple d'aspect, il venait avec sa blouse grise, il le faisait très ouvrier qualifié, alors que chez l'herbier, ça avait tout autre ton, on était entre gens du monde, l'herbier était toujours admirablement habillé, cravate, col impeccable, des gants, des manchettes. Mais oui, je tournais avec des gants pour une bonne raison, c'est que les studios de ce moment-là, vous ne savez pas ce que c'était. C'était jamais nettoyé. C'est bien simple, on était dans une mine tellement crasseuse qui vous tombait n'importe quoi sur la tête et que dès que vous touchiez quelque chose, vous étiez déguisé en mineur de fond. Monocle, lunettes, et par-dessus les lunettes, des lunettes bleues, on en avait tout un échafaudage. On l'appelait Monsieur l'Herbier, enfin personne, même les machinistes arrivaient à marcher sur la pointe des pieds avec lui, n'est-ce pas? Il y avait une atmosphère très, très sérieuse et un peu compassée. Tandis que, alors, quand de l'autre côté, chez Feuillade, c'était très... On se tapait sur le ventre. Mais mettez-vous à ma place. Je venais d'un paysage spirituel tellement différent de celui de Feuillade. Je voyais Feuillade à côté de moi sur le studio, il endossait une petite blouse de pharmacien et il faisait ses films en grisaille, enfin en grisaille parce qu'il avait une blouse grise, parce que ses films n'étaient pas de la grisaille, bien sûr. Mais en réalité, il ne m'inspirait pas une grande confiance sur le plan esthétique. J'étais peut-être tout à fait sot de penser ça parce que je n'avais pas compris suffisamment le cinéma. Peut-être le cinéma se fait-il avec des moyens tout à fait autres que ceux que j'ambitionnais. Et en même temps, j'étais pas très logique, puisque je disais que le cinéma devait être un art populaire, n'est-ce pas? Mais je n'y arrivais pas à me plier à ça. Et mes discussions avec Feuillade étaient des discussions très amicales, et nous n'avons jamais eu que des rapports charmants. Il me disait simplement, méfiez-vous de Gaumont, quand il arrive voir un film que nous venons de faire et qu'il dit, c'est très bien, ça veut dire que c'est un navet. Mais il faut dire, vous me mettez là, en tête à tête avec Feuillade, charmant garçon d'ailleurs, mais... En réalité, ce n'est pas moi qui suis tellement en tête à tête avec lui ou en bec à bec, c'est Del Luc. N'oubliez pas que quand on relit les livres de Del Luc, on dit, il écrit, des amis m'ont emmené voir Judex. Des amis, point d'interrogation. Del Luc était rédacteur à Comédia Illustré. J'opérais au premier étage et lui au quatrième. Et on nous a présenté un jour dans l'escalier. Nous sommes devenus amis progressivement. Et un jour, je lui ai dit, je monte un journal de cinéma, j'ai besoin de toi. Et il m'a répondu textuellement, je ne comprends pas qu'on touche au cinéma autrement qu'avec des pincettes. Je lui ai dit, viens manier les pincettes chez moi, il y a du travail à faire. Tout le monde méprisait un peu le cinéma. Le cinéma, c'était vraiment... c'était même pas l'uniprix du spectacle, c'était un métier de forain et de bimblottier, puisque pour le ministère de l'Intérieur, nous étions des forains, et pour le ministère des Finances, nous étions des bimblottiers. Louis Del Luc était horrifié de voir que la France, pays de la délicatesse, du style, s'était enfoncé dans la vulgarité, dans l'absurde et dans la niaiserie. Et c'est alors qu'il a voulu commencer sa campagne pour essayer de mener le cinéma à la hauteur du cinéma américain. Il s'est mis donc à faire une critique ardente, une critique véhémente, et a essayé de ramasser autour de lui tous ceux qui pouvaient être de futurs apprentis cinéastes. Et il avait des phrases extrêmement véhémentes. Il disait par exemple il était indispensable de ne pas traiter l'écran, ou plutôt l'attention du spectateur, comme une boîte à ordures où on peut jouer n'importe quoi. Il disait aussi, le cinéma est une industrie, c'est vrai, mais industrie n'est pas synonyme de brocante. Il disait encore, un cinéma, un film est une succession de pensées visualisées, recréées, et non pas une juxtaposition d'images. Louis Del Luc était assurément le créateur de la critique en France. C'était vraiment le premier critique. Bien entendu, une critique qui, tout en étant extrêmement remarquable à l'époque, est un petit peu dépassée aujourd'hui, il faut bien le dire.
C'est une critique extrêmement subjective, une critique, une espèce de témoignage d'opinion plutôt qu'une analyse exhaustive des œuvres. Mais vous pensez bien qu'à cette époque, une analyse exhaustive des œuvres était parfaitement impensable. Dire que ce mouvement qui a compris Louis Deluc, L'Herbier, Gans, Epstein, Germaine Dulac, a été... Dire que Deluc a été leur chef de file, c'est peut-être exact et inexact. C'était, si vous voulez, un petit peu le théoricien, le premier théoricien, le premier critique, celui qui donnait le là, en quelque sorte. Chaque fois que je voyais un film de Deluc, je pensais à l'effort que faisait parallèlement, qu'avait fait plutôt avant, Jacques Copeau, Vieux Colombier. Il y avait cette même recherche de simplification. L'effet net, précis, une volonté de s'exprimer nettement chez Deluc. Et regardez, si vous voyez la photo de la femme de nulle part, cette route extraordinaire et la femme ou l'inondation, l'homme devant la cheminée, c'est d'une telle... clarté, c'est d'une telle simplicité que je pense aussi à la mise en scène de Copeau pour le paquebot Tenacity. Il me semble tout de même qu'il écrivait ses scénarios presque comme une nouvelle, n'est-ce pas? Et non pas comme une chose technique. Oui, j'ai le souvenir de ça. Il illustrait son histoire. Et il l'a raconté d'une façon très claire. Mais au fond, avec des roueries d'écrivain plus que de cinéaste. C'est une erreur de croire que Deluc cherchait dans le cinéma une formule d'avant-garde. Pour lui, l'avant-garde, c'était l'avant-garde. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y aurait pas derrière le gros de la troupe et une arrière-garde. Et il n'a jamais essayé de faire des films, comment dirais-je, anti-commerciaux. Deluc avait l'ambition de toucher le public, mais de le toucher avec des œuvres d'une qualité intellectuelle et artistique qui lui donnait satisfaction. Deluc a créé des sujets extrêmement intéressants, extrêmement construits, extrêmement originaux, au niveau du sujet. Et je crois que son meilleur film, c'est La femme de nulle part. La femme de nulle part annonce déjà, sur le plan du sujet, des films comme Hiroshima, mon amour. C'est un des premiers films qui ait mis en valeur les relations entre le présent et le passé, qui ait amené, si vous voulez, l'idée de mémorisation. C'est une vieille femme, F. Francis, qui arrive... en Italie, dans une villa où elle a vécu il y a une vingtaine d'années, alors qu'elle était mariée. Elle arrive là, elle rencontre les propriétaires, un jeune couple, qui la reçoivent tout à fait en amie. Et puis, il se trouve que la jeune femme a un amant qui tourne autour d'elle et qui lui propose de partir avec lui, et il veut l'enlever, en quelque sorte. Et F. Francis, c'est la femme en question, s'aperçoit de ce manège, elle s'en rend compte, et elle revit tout son passé. Il y a 20 ans, elle a quitté son mari, elle a été enlevée par un amant qui l'a laissée tomber au bout de quelques mois, et ça a été le malheur de son existence. Et elle s'en souvient, et si vous voulez, son passé est comme la prémonition de ce qui va arriver à cette jeune femme, et elle lui raconte son histoire, elle la met en garde, surtout que cette jeune femme a un petit bébé, et elle lui dit... Je vous en supplie, ne faites pas ce que j'ai fait. Elle a une sorte d'influence sur la jeune femme. Et au soleil couchant, elle sort dans ce parc où elle a connu le séducteur. Ce séducteur qui l'attendait dans un pavillon,
qui était au bout de ce parc, un pavillon, un directoire, si je me trompe, et où elle avait découvert le grand amour, l'amour fou, l'amour folie. Et elle refait ce même trajet. Les fleurs sont épanouies, les arbres chuchotent, l'atmosphère est la même, elle descend, tout lui parle de cet amour d'autrefois. Et petit à petit, au lieu de la déception, l'amour vainqueur revient l'habiter. Elle va plus loin, elle arrive au pavillon, le fantôme de son amant d'autrefois revient l'enlacer, la prendre, l'embrasser. Elle est reconquise, elle rêve, elle se dit que ce moment a été un des plus beaux moments de sa vie, qu'elle les a peut-être payés très cher, elle n'y pense plus. Elle revient dans une exaltation romantique. Elle revient, est perdue, et elle dit à la jeune femme, « Eh bien non, je me suis trompée, l'amour, il n'y a que ça. Vivez les heures d'amour, il n'y a que l'amour qui compte dans la vie. » Là-dessus, elle remonte dans sa chambre. La jeune femme prépare sa valise, s'en va. Et au moment où elle va arriver à la grille du parc, son petit bébé qui a 3 ou 4 ans et qui marche mal est poussé par sa nourrice vers sa mère en criant « Maman ». Et au moment où il va l'atteindre, il tombe en criant. Il s'est fait mal. La mère revient, reprend le bébé et revient à la maison. Elle est sauvée. Et la pauvre femme de nulle part reprend la route toute seule avec sa désolation. Moi, La femme de Lupin, c'est un très beau scénario, un scénario type de Luc, parce que la magie, c'est de porte à porte. Il ne s'agit pas de se balader à l'étranger pour voir les Bermudes. La magie, c'est ça. C'est vous, c'est moi. Et c'est pour moi la réussite de Luc d'avoir composé deux histoires locales sur le même endroit. C'est ça, la magie de Luc. C'est un très grand scénariste, mais c'est pas un bon réalisateur de film. C'est peut-être un scénario bien construit, mais je trouve pas que le thème soit intéressant. Du roman feuilleton, c'est Jules Marie, enfin. Comment Jules Marie, C'est exemplaire. Voilà une bonne femme car il faut retrouver ses souvenirs, qui en même temps se trouve devant le même drame, en même temps que sa préoccupation vers l'avenir. C'est incroyable, c'est admirable. Vous n'avez pas affaire au romantique allemand ou à Proust. C'est pire que Proust, si je puis dire. C'est que vous avez une bonne femme qui arrive pour voir son souvenir et en même temps se passe le même drame. Jamais je n'ai vu ça dans le cinéma français. Jamais. En tant que scénario. Jamais.
Vous avez tout. Vous aimeriez... Vous avez le personnage méditatif et le personnage actif. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de remake? Ah oui, moi, à 14 ans, j'ai... Mais je voulais le faire. C'est vraiment le scénario type. Et alors, quel beau titre, La femme de nulle part. Merde. C'est marrant, on est classe tout de même. L'homme qui était littéraire, c'est Deluque. Et pour cette par-plan, mais par-plan psychologique, non intérieur. Non intérieur... Ce qui veut dire que chez Deluc, tout était sensible et vu. Et vu, mais mal vu, parce que c'était pas un homme de l'optique. Autrement dit, c'est le contraire d'Epstein. Epstein, tout se voit et rien ne se comprend. Bon, alors que chez Deluc, tout se comprend et rien ne se voit. Sans blague. C'est le contraire. Ces gens-là étaient des isolés, personne ne se ressemblait. Epstein ne ressemblait pas du tout à l'Herbier, l'Herbier ne ressemblait pas du tout à Dulac, et Dulac ne ressemblait pas tellement à Deluc. Nous n'étions pas du tout ni Dulac, ni Epstein, ni Deluc. Nous n'étions pas tout à fait du même bord esthétique, les uns et les autres. Mais en réalité, il y avait une communion. C'était la recherche de la spécificité, la fameuse spécificité cinématographique. Là, nous nous entendions parfaitement et sans aucune espèce de dissension possible. Mes relations avec Deluc étaient si serrées, si amicales, que je lui ai fait faire un film qui a été, hélas, son dernier film. C'est L'Inondation qu'il a fait avec sa femme F. Francis pour mon compte. Et il l'a fait en 23 et il est mort en 24. Il y avait cet hiver-là une température très rude. On était... Le vent glacial sifflait sur ces plaines où nous avons tourné. Et c'est là que Deluc a contracté le mal qui devait l'emporter. Il est mort après avoir à peine terminé le montage du film. Il est mort d'une phtisie foudroyante. Deluc a été le premier en France qui a amené vraiment la notion du découpage cinématographique, de la structure dramatique du film, en quoi il était le parfait continuateur de l'américain Thomas Innes. Epstein, au contraire, qui était d'ailleurs sur ce plan un petit peu l'élève, le disciple d'Abel Gance, a été, bien qu'il fût homme de lettres lui aussi, a été bien davantage un cinéaste au sens... matériel au sens pratique du mot. Ça a été un metteur en scène. Ça, ce n'était pas, si vous voulez, une dramaturgie qui était mise en image ou qui transparaissait à travers la mise en image. C'était une signification qui découlait d'une structure purement cinématographique. Marcel L'Herbier, qui tournait sur un plateau voisin au moment du tonnerre, rappelle l'impression que lui a fait ce jeune Epstein. Je le revois, silhouette frêle, pénétrée dans la vaste cage des studios Gaumont avec la belle assurance de la prédestination. Il marchait vers le décor à demi construit où Deluc allait réaliser le tonnerre et il portait à plein bras, cet inconnu fragile, une fenêtre. Il transportait ce qui s'ouvre en rêve,
sur la réalité du monde et semblait tenir en ses mains la signification du cinématographe. Jean Epstein a publié en 1920 ou 21, je ne me souviens plus très exactement, son premier bouquin sur le cinéma qui s'appelait « Bonjour cinéma », qui a été le premier manifeste intellectuel en faveur du cinéma, la première approche théorique des moyens d'expression cinématographique. Tout son article sur le gros plan est extrêmement significatif. Vraiment, il a, à la manière à la fois d'un théoricien et d'un poète, il a fait une espèce de petits poèmes en prose sur le gros plan, en montrant des exemples, et puis même des exemples imaginaires, et en racontant comment, en exposant comment le gros plan pouvait être significatif, et l'était effectivement beaucoup plus qu'un plan d'ensemble. Epstein a été un des premiers metteurs en scène à mettre en valeur les objets, le rôle significatif des objets en gros plan par rapport à une situation donnée. Puis alors il a fait aussi un des premiers... Il était un des premiers à, je ne dirais pas à libérer la caméra de son pied, ce n'est pas tout à fait exact, mais un des premiers à avoir des angles d'une incidence assez grande. Bien sûr, la plongée, la contre-plongée, ça existait bien avant Epstein, mais ça existait surtout sur des plans d'ensemble, c'est-à-dire sur des plans assez lointains et avec des plongées ou des contre-plongées d'une incidence assez faible. Et puis, sur le montage, sur le rythme, je me souviens, dans Bonjour cinéma, publié en 1920, il a dit notamment « Je rêve d'un manège de chevaux de bois, d'une fête foraine avec son rythme giroyant, ses mouvements, etc. » Et c'est tout ce qu'il a fait dans Cœur fidèle. Et ce qui est très remarquable, c'est précisément qu'il y a une continuité absolue entre ses écrits et ses films. Il semble que Cœur fidèle, c'est une mise en application de ses théories. Thank you.
J'aime l'angoisse des rencontres. L'événement nous prend les jambes comme un piège à loup. Le dénouement ne peut être autre chose qu'une transition de nœud à nœud, de sorte qu'on ne change pas beaucoup d'altitude sentimentale. Le drame est continu, comme la vie. Les gestes le réfléchissent, mais ne l'avancent ni ne le retardent. Alors, pourquoi raconter des histoires qui supposent toujours des événements ordonnés, une chronologie, la gradation des faits et des sentiments? Les perspectives ne sont qu'illusion d'optique. La vie ne se déduit pas comme ces tables à thé chinoises qui s'engendrent 12 successivement l'une de l'autre. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a jamais eu d'histoire. Il n'y a que des situations sans queue ni tête, sans commencement, sans milieu et sans fin, sans endroit et sans envers. On peut les regarder dans tous les sens. La droite devient la gauche. Sans limite de passé ou d'avenir, elles sont le présent. C'est une conception qui, d'après moi, était un peu en dehors de la vie. C'était, vous comprenez, une philosophie qui était sur un plan tellement supérieur que c'était intéressant théoriquement, mais ce n'était pas intéressant pratiquement pour moi. C'est-à-dire que je ne croyais pas que c'était des choses applicables. Et c'était le charme du reste de sa conversation, parce qu'un homme qui voyait les choses sur tout à fait un autre plan. Il pouvait les voir normalement, parce qu'on voyait ses films, c'est réel, mais à côté de ça, il avait une conception du monde, de la vie, des possibilités humaines qui étaient différentes de ce qu'il pouvait montrer. C'est un homme qui, au contraire de beaucoup de gens qui s'occupent de philosophie et de choses abstraites, était très positif dans son métier. C'est un homme qui connaissait son métier, qui savait ce qu'on pouvait faire au cinéma, ce qui n'était pas possible, et quand il faisait une recherche, il la faisait dans les limites des possibilités du cinéma et dans les possibilités de l'image. Et lui qui a fait une recherche qui était intéressante, du reste il l'a fait à peu près dans tous ses films, c'est la vie des objets, c'est la vie des accessoires, c'est l'importance d'un détail. Alors, je ne sais plus dans quel film c'est, si c'est dans La Belle Nivernaise ou dans Cœur fidèle, une course en auto où tout se passe sur les arbres. Et alors là, c'est absolument magnifique parce que ça donne beaucoup plus l'impression de vitesse que si on montre une roue tournant très vite ou bien une voiture qui est sur la route. Il aimait l'expression visuelle, cinématographique du mouvement. Alors là, forcément, avec une voiture, c'était le meilleur moyen de monter une vitesse ou un ralentissement ou l'état d'âme des gens. Parce que ça se reportait tout de même, en fin de compte, sur les personnages qui étaient dans la voiture.
Il y a une façon de raconter cette histoire en jouant sur, d'abord sur la dimension du temps, en jouant sur le décor, les personnages. Bon, c'est un cinéma scénique. À l'époque, les gens ne se donnaient pas du tout la peine de faire des plans de transition et des trucs comme ça pour passer d'une scène à l'autre. C'est ça, vous êtes envoyé en pleine poire comme ça. Ben oui, mais c'est le cas chez Expert. On y revient d'ailleurs. Mais les vieux opérateurs appelaient les plans, dans le temps, s'appelaient des tableaux. Et chez Epstein, c'est des tableaux. On sent que chaque tableau est composé, le bistrot est composé, le restaurant est composé, les plans de la femme, le téléphone, tout ça c'est composé. Il y a des successions de plans aussi qui sont intéressantes. Par exemple, l'histoire de la tasse. C'est presque ce montage sonore, la tasse tombe et puis ramasse le pot, l'autre ramasse le pot au lait. Oui. Mais c'est pas ce qui est plus important chez Epstein, c'est tout de même la composition à l'intérieur du plan. Je trouve. C'est un esthète, Epstein. Quand on ne voit que la forme, et au fond, pour Epstein, le cinéma, c'est la forme. C'est bien fait, c'est très bien fait, c'est ça, c'est beau, c'est très beau. Il a le sens du cadre et alors il a compris que évidemment ce qui fait la somptuosité du cadre, c'est l'amorce. Et ces amorces sont toujours très belles, comme chez Stryme d'ailleurs, toujours de grosses amorces. Et une grande richesse, par exemple, avec cette femme avec sa robe à traîne, d'une grande importance à la traîne, alors, tout ça. Et avec la diffusion, ça brille. Enfin, c'est très somptueux, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup ça. Et il y a une autre chose qui me plaît beaucoup. Dans le film, c'est le mélange parfait qu'il y a entre les scènes documentaires et les scènes jouées. Ah oui, alors ça, c'est très moderne pour l'époque et c'est très important. À l'époque, on voulait essayer de faire un cinéma qui soit du cinéma, pouvoir concurrencer un peu la littérature. Alors on s'est dit, on va rendre ce que rend la littérature avec des moyens propres au cinéma. Exactement. Alors que le vrai problème, c'est peut-être de rendre autre chose que la littérature ou la peinture. Le vrai problème, c'est peut-être autre chose. Mais enfin, tel qu'il est, c'est vraiment un espèce d'ensemble des préoccupations de l'avant-garde à l'époque. Thank you.
trouve ce qui est intéressant là-dedans, c'est une sorte d'opposition entre un récit littéraire qui est très fluide, un récit horizontal très rapide, et, qui n'est pas très difficile à suivre, mais quand même qui va très vite. Et puis un récit graphique, plastique, vertical, si l'on veut, les plans qui sont assénés les uns après les autres et qui viennent couper ce récit littéraire. Alors la superposition des deux est assez curieuse. On a l'impression qu'il y a des moments où le récit avance, d'autres où les images se superposent les unes aux autres plutôt qu'elles ne se succèdent comme ça. Oui. Hein? Et puis après, hop, ça continue à avancer. D'un côté, il y a des saccades. Oui, c'est un peu comme s'il y avait deux fonctions de chaque scène. Oui. Une fonction récit et romanesque et puis une autre. Eh ben, c'est la fonction peut-être documentaire, c'est la fonction plastique ou documentaire, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, d'un côté la fiction, d'autre côté le documentaire. Et, La liaison, c'est les fils télégraphiques. C'est très beau, quel beau plan. Ben, je pensais aux fils télégraphiques, mais c'est surprenant. Hein. Surprenant. L'objet prend une importance. Parce que Epstein a compris que l'amorce, c'était aussi l'amorce qui fait le plan, toujours d'ailleurs, un plan. Et toujours cette recherche des brillances. Oui. Parce qu'il avait le sens de la. Et il avait le sens aussi de la lumière. Car c'était un chef éclairagiste, Epstein. Thank you.
Germain Dulac était un metteur en scène qui avait fait ses classes bien avant. Germain Dulac a commencé à faire de la mise en scène vers 1915 ou 1916. Et c'était un metteur en scène, mon Dieu, très sage, un très bon artisan du film. Germain Dulac est devenu cinéaste d'avant-garde après, précisément à la suite du mouvement de Louis Deluc, de Gans, d'Epstein. Alors à ce moment-là, elle s'est ralliée tout à fait à cette... et alors elle est devenue chercheur d'avant-garde, presque excessivement formaliste même, n'est-ce pas, par de certains côtés. Mais Germaine Dulac a été un peu formée, si je puis dire, par Louis Deluc et son école. Le premier contact avec Germaine Dulac était assez déconcertant, car c'était une femme du monde qui avait une voix de femme du monde, qui était assez forte. Elle était habillée sportivement et elle fumait sans arrêt des cigarettes. Quand elle tournait, elle aurait été comme un capitaine de navire sur sa passerelle. Elle avait une voix du tonnerre. Et j'ai été très étonné, c'est la première fois que je voyais, j'entendais une femme pourvu d'une telle autorité. Germain Dulac était toujours si pénétré des plans qu'elle avait à tourner qu'elle était distraite. Elle était distraite au point, par exemple, de faire des choses spectaculaires. Elle mettait quelquefois sa cigarette dans la bouche du côté du bout incandescent. Une autre fois, assise dans un fauteuil, et son petit boule à côté d'elle, son chien, elle lui pinçait les oreilles si durement, tout en réfléchissant à ce qu'elle allait faire, qu'il hurlait. Elle était paisible, souriante, mais avec sa voix de femme du monde, quand elle se mettait en colère, tout déraillait, et c'était d'un drôle extravagant. Depuis toujours, Madame Dulac cherchait évidemment un cinéma, elle travaillait plutôt dans le lendemain que dans le cinéma actuel. Elle avait rassemblé quelques amis un soir, je me souviens qu'il avait fait ce cours-là, Germaine Dulac, nous avions donc tous accueillis, et c'est là, autour d'une tasse de thé, qu'elle nous a fait part brusquement d'idées dont nous n'avions pas encore entendu parler. Notamment, elle a dit, il y a un cinéma pur, dégagé de toute formule dramatique, et puis elle nous a parlé surtout de sa symphonie visuelle. Elle tenait beaucoup à la symphonie visuelle, qui était, dans son esprit, une chose lyrique, quelque chose comme une symphonie dans laquelle simplement les images contraient sans qu'il y ait de support dramatique. Elle avait surtout la manie, le désir de la cadence, car c'était une musicienne aussi bien qu'elle était peintre. Et elle disait que la cadence, le mouvement, pouvait provoquer l'émotion autant et peut-être plus que les visages des acteurs, ce dont nous n'étions pas convaincus. Alors, quand on lui demandait comment elle concevait une symphonie visuelle, elle faisait une distinction entre deux rythmes, le rythme intérieur et le rythme extérieur des images. Le rythme intérieur, par exemple, il y avait un film qui était un simple documentaire et auquel elle accordait beaucoup d'importance, s'appelait Germination du blé. Eh bien, c'était pour elle du rythme intérieur parce que l'on voyait sur l'image, je ne sais pas si le docteur Commandon qui avait pris ça, on voyait sur l'image une transformation de la graine, n'est-ce pas ? Ça, c'était le rythme intérieur, tout ce qui, dans l'image, même dans le cadre même, n'est-ce pas, bougeait. Le rythme extérieur, au fond, c'était ce que nous appellerons maintenant le montage. Et le rythme extérieur, il était déjà trouvé, car enfin, Abel Gance en avait donné de belles démonstrations avec la roue, n'est-ce pas, avec ses montages accélérés.
elle voulait dire que le cinéma n'était pas spécifiquement narratif, et ça, elle avait raison. L'entrée d'un train en gare de la Ciotat, n'est-ce pas, n'a rien de spécifiquement narratif. Seulement, et ce qu'elle voulait dire surtout, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un scénario d'imagination. Maintenant, à quoi nous lui répliquions, possible, mais le cinéma peut être narratif. C'est une question d'option, une question de goût. Et tout de même, il s'était trouvé narratif par vocation, le cinéma. Et on peut dire qu'avec le cinéma parlant, nous avons eu même trop raison, parce que les efforts dans le genre de ceux de Germaine Dulac se sont trouvés jugulés. Le cinéma muet nous amenait à une utilisation de plus en plus forcenée de l'image sous toutes ses formes. Nous avions un ennemi, le sous-titre, et nous cherchions à le bannir en racontant tout par des images. Et puis le cinéma parlant est venu qui nous a frappés d'immobilisme. La caméra ne pouvait pas bouger parce que ça faisait trop de bruit. Alors on s'est habitué à la parole et on s'est habitué à une certaine forme de récit qui excluait beaucoup d'images. Et puis, avec l'assouplissement des méthodes, avec les travelling silencieux, avec l'habitude de doubler les passages pris en son témoin, on est arrivé à reprendre une habitude de mobilité d'image. Et cette habitude fait que le cinéma actuel ressemble peut-être beaucoup plus au cinéma d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. La nouvelle vague, enfin les nouveaux venus, étaient des rats de cinémathèque. J'ai l'impression qu'ils ont appris à aimer leur métier plutôt en voyant des films muets qu'en voyant des films parlants. Et maintenant, on a rattrapé une grande partie de la souplesse d'autrefois.
et l'image est redevenue un peu plus reine qu'elle ne l'a été longtemps pendant le parlant, où on a beaucoup abusé de la parole. Vous savez, le dialogue, c'est bien parce que ça fait vivant, c'est mieux quand il est bon, mais je dirais presque qu'il y en a toujours trop.